Bonjour mes petits loups, eh bien me revoilà donc en vidéo, je fais un petit coucou. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu, j'en suis désolée mais j'ai pas trop le temps. Je prépare plusieurs choses, dont 3 jours la semaine prochaine qui vont être assez intenses, un projet personnel. Mais sinon, non, je continue de lire, je continue d'écrire, je suis toujours sur le Celt. Ça vient, ça y est, on y est. Sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes Pâques. Nous ici, ça a été un peu mouvementé ces derniers temps, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, la prochaine chronique que vous aurez de ma part, je pense que ce sera certainement en fin de semaine prochaine. Ça concernera Sens interdit, tome 2 d'Anastasia, où je vous ferai une petite lecture comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Vous découvrirez, vous redécouvrirez Anastasia, son côté un peu entier, un peu fou, un peu bohème, hein, qui j'espère vous plaira énormément. En même temps, je suis en train de lire en ce moment Mademoiselle Bonheur. Ça me prendra un peu de temps parce que je lis chaque soir à mes enfants un chapitre du livre. Pour l'instant, ça a l'air de bien plaire. On a eu un fou rire hier avec ce pauvre chat, enfin ce pauvre chat qui attaque maman. Voilà, nous, ça nous a beaucoup fait rire. Je vous ferai une petite chronique de la même manière que j'ai fait pour les Kobolds, en vous disant ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Enfin, pour l'instant, voilà, ça nous plaît bien, ça nous fait bien rire. Et puis, j'ai envie aussi d'allier une autre passion, une autre de mes passions, qui est le jeu vidéo et le JDR. Donc pourquoi? Parce que je suis sur un petit groupe sur Discord de youtubeurs qui sont de gros gamers. Il faut dire les choses comme elles sont. Et je voudrais montrer que on peut jouer aux jeux vidéo et être complètement malade de lecture. La lecture, c'est pas juste le roman, quoi. Les gamers sont capables de vous prendre des manuels comme ça pour pouvoir faire des jeux sur table et vous créer des personnages et des scénarios complètement dingues. Et je veux vous montrer la complicité qu'il y a entre les livres et les jeux vidéo et le gamer et le JDR. Donc pour ça, je pense faire une ou deux chroniques avec des joueurs en parlant des livres qu'ils aiment, qui sont liés avec leurs jeux vidéo préférés ou pas. Des fois, ils peuvent très bien adorer un bouquin et puis finalement être très très déçus du jeu ou au contraire, également qui existe. Donc j'ai envie de vous montrer ce qui est et peut-être faire un petit sorte de petit live avec eux. Je ne sais pas encore comment, je vais découvrir. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Ou sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur Discord. J'en sais rien. Pour l'instant, c'est vraiment du aléatoire. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Donc, mais ça me paraît important parce que j'entends trop souvent les gens dire: ah, les jeux vidéo, c'est violent, c'est terrible, oh là là. Puis alors, les JDR, ils sont dans leur monde et puis personne ne les voit et tout. Non, je suis pas d'accord. Donc, je vais vous montrer pourquoi je suis pas d'accord. Peut-être aussi parce que je fais partie aussi de ce monde-là. Mais pour vous montrer que JDR ou le jeu vidéo, c'est pas automatiquement nocif. C'est pas vrai. Ça peut amener des jeunes à faire des choses auxquelles ils ne penseraient pas, à prendre confiance en eux. Et ça, c'est très important. Donc voilà, je vous ferai des chroniques à ce niveau-là. Et puis, comme d'habitude, des chroniques sur des livres, comme vous avez l'habitude d'avoir depuis quelque temps. Donc je suis toujours pas pro, hein, on s'y fait, mais bon, voilà. En attendant que j'ai un petit peu de matos un peu plus intéressant, mais ce sera pas tout de suite, je crois. Donc voilà, j'espère que vous aimerez ce que vous allez découvrir par la suite. Je suis au feeling, comme d'habitude. Je n'ai pas de
de plan véritablement de lecture, c'est en fonction de ce que j'aime, de ce que j'ai envie, et vous commencez à me connaître. Donc voilà, on va faire ça comme ça, on va continuer comme ça. Donc sinon, bah, je vous dis bah, à très bientôt. Profitez du soleil pour le peu qu'on ait. Faut en profiter, hein. Enfin bon. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt et baiser cannelle. Soyez sages ou pas.